Salut à tous et bienvenue ici au stade Marcel Picot à Nancy pour eh bien, la fête du foot en Lorraine, les finales de Coupe Lorraine. C'est aujourd'hui, bien entendu, on va commencer dès 14h30 avec la finale féminine. On va vous en toucher un petit mot, puis à 17h30, il y aura les messieurs également qui viendront eh bien, en débattre juste derrière nous dans ce cadre absolument superbe. Mon consultant pour m'accompagner, comme chaque année, Gabi Dalvi. Bonjour Gabi. Bonjour à tous. Comment ça va Gabi? Très bien, avec l'été qui nous surprend, par sa précocité. Eh oui, vous faites bien d'en parler parce que les conditions vont être un petit peu compliquées aujourd'hui. Oui. Il fait très chaud, on dit que la température avoisine les 30 degrés pour aujourd'hui. En plus, du fait de la structure de Picot, il n'y a pas trop de courant d'air. Donc à mon avis, en bas, il doit faire très chaud. Hein. Exactement. On va bien sûr parler de ce match. Le premier match qui va nous intéresser dans cette journée, dans cette fête de la Lorraine, c'est bien sûr le remake de la finale de l'an passé. Algrange contre l'AS Nancy-Lorraine. L'an dernier, eh bien, Algrange l'avait emporté au tir au but après un 0-0. Mais la situation des clubs a un petit peu changé. Les deux équipes se sont côtoyées en deuxième division cette année. Algrange monte en première division. Et Nancy eh bien, a fait une très bonne première saison dans cette D2 féminine puisqu'ils ont terminé 6e. C'est les deux plus gros clubs de la région, on peut le dire en féminine. Oui, et on mettra quand même un petit accent sur les Algrangeoises qui vont accéder à la Ligue 1. C'est quand même le sommet du football féminin français. Et c'est tout à leur honneur de leurs dirigeants et surtout du staff technique et naturellement des joueuses. Bien sûr, c'est peut-être même le dernier match d'Algrange, mais on va vous en parler parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le club, justement pour préparer cette intersaison et pour préparer cette montée. Et puis la dernière stade, c'est Nancy, le maudit, 4e finale consécutive des Meurthe et Mosellanes à Picot, chez elle, finale 2011, 2012, 2013, perdue contre Épinal, Wapi et Algrange. Donc aujourd'hui, elles doivent gagner. On va justement jeter un petit coup d'œil à la composition des vainqueurs en titre. C'est bien sûr Algrange, avec ce trio infernal qu'il va falloir bien surveiller. Janela à gauche, Vojdika dans l'axe, et bien sûr Martins à droite. Attention, ça va très très vite. Vojdila, c'est à peu près 25 buts en D2 cette saison. Donc méfiez-vous de ce trio, ça peut aller très 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 vite. On va jeter également un petit coup d'œil, eh bien, à la composition de l'AS Nancy-Lorraine. Avec, vous allez le voir, une petite surprise au niveau notamment de la formation choisie par Bianca Lani, l'ancien joueur professionnel nancéen et messin bien entendu. 5 derrière et puis bien sûr des joueuses très techniques, attention, à Brocheret notamment qui peut faire beaucoup de mal sur les côtés. Et toujours un milieu à 3 habituel et ces deux devant avec Échelle. Et bien sûr la grande star j'ai envie de dire du côté de Nancy, c'est Wassi Youn, il va falloir également y jeter un petit coup d'œil et faire très 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 attention à cette fille. Vous allez le voir sur le front de l'attaque. Échelle sera un petit peu dans une position de 9,5 aujourd'hui pour ce 5-3-2 préparé bien sûr par le coach Frédéric Biancalani hein, qui n'est plus à présenter ici en Lorraine, joueur historique de Nancy et joueur qui a fini sa carrière également à Metz. Il y en a peu qu'on fait les deux clubs, Yavi. Vous savez que Frédéric Biancalani est plutôt proche d'Algrange que de Nancy, hein, parce qu'il est originaire de Tille. C'est-à-dire, c'est le pays haut, pas loin de Villerue, si les gens connaissent. Donc, c'est le papa qui a eu du mérite. Il les a emmenés 3 fois par semaine, les deux frangins, de Tille jusque Nancy. Et finalement, tous les deux sont devenus joueurs professionnels. Donc, chapeau au papa. Hein. Oui, bien sûr, chapeau au papa. Il faut rendre hommage toujours au papa. C'est bien sûr très important. Un autre mot également sur le coach hein, du côté d'Algrange, c'est Jérôme Henrionnet. Lui aussi, c'est une histoire assez particulière, ce coach-là, qui eh bien, a tout vécu avec Nancy, puisque c'est lui qui a créé l'école de foot féminine à l'AS Nancy-Lorraine. Il y a eu quelques petits démêlés, il a été récupéré par Algrange. Et aujourd'hui, c'est lui qui également a permis à Algrange de monter en première division et de connaître ce parcours absolument fabuleux. Imaginez un petit peu, Algrange, 22 matchs cette saison, 19 victoires. Mais attention, Nancy a battu Algrange sur son terrain grâce notamment à un but de Rania Oussayoun, on vous en parlait tout à l'heure. Il y a deux équipes qui ont battu Algrange cette saison, Vendenheim et Nancy. Donc écoutez, eh bien, la partie est des plus ouvertes. Les Nancyennes, vous les voyez actuellement justement sur votre écran, elles joueront dans leur traditionnelle couleur.
en blanc et en rouge. Et puis également Algrange hein, qui jouera, j'ai envie de dire, pour la dernière fois dans ses traditionnelles couleurs faites de bleu clair et de bleu sombre au niveau des manches. Vous allez le voir sans doute d'ici quelques instants sur votre écran. Là, les joueuses participent au protocole de photos. Voilà la dernière photo de famille de cette saison 2013-2014 qui a été des plus éreintantes en tout cas de part et d'autre. Algrange, je vous le disais, que vous voyez à la droite de votre écran, qui eh bien, joue sans doute la dernière fois en bleu, puisque Algrange a noué un partenariat avec le FC Metz. L'an prochain, on parlera du FC Metz-Algrange, puisque eh bien, Metz avait besoin de développer justement les structures de son football féminin, et que Algrange, d'un autre côté, avait besoin d'un soutien logistique, financier, bien entendu, et également d'infrastructures. Voilà, tout ça, ils en auront bien besoin pour... Pour jouer ce maintien, ça serait vraiment un exploit de se maintenir en L1. Ça sera un exploit bien sûr de se maintenir en L1, mais il y a un garçon qui y croit, il est sur le bord du terrain, il est très superstitieux, c'est bien entendu le président de cette équipe d'Algrange, algrangeoise, comme on le dit. C'est tout simplement le président Labat. Ce n'est pas parce que l'on monte en D1 que l'on est l'ogre, on a beaucoup de respect pour notre adversaire, et comme dans tout derby, ça va se jouer au mental. Oui, mon cher Gabi, c'est un derby aujourd'hui entre les deux équipes. Ah bon? C'est en tout cas ce qu'on nous a dit de part et d'autre. Hein. D'accord. Mathis, également la joueuse d'ancienne, qui nous disait « On a perdu les deux dernières finales au tir au but. Samedi, on ne part pas favorite, mais on va tout faire pour tenir tête à Algrange. C'est un petit peu notre derby à nous. » Voilà, vous l'aurez compris. Algrange qui va devenir, en tout cas, le FC Metz. Pas complètement, on va garder bien sûr l'appellation d'Algrange, mais qui va intégrer bien sûr le FC Metz l'année prochaine. Et en face, l'AS Nancy-Lorraine. Un classique du football lorrain, face à nos yeux, bien entendu, dans quelques instants. La petite coupe, les Nancéennes, on en profitait, faire la photo avec la coupe, mais surtout la toucher. Est-ce que justement, il y a un petit peu de superstition dans ce genre de cas, Gabi? Est-ce qu'on aime bien toucher la coupe ou plutôt ne pas trop la regarder avant ce genre de finale? Alors moi, je peux vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais à Thionville, on avait battu Talange, qui était en division 3, et on avait accédé à la finale. Et... Le challenge Guy de Vindel, cette tête flamboyante, on l'avait chez un dirigeant. Et finalement, on avait pris les photos avant le match avec le challenge. Ben, on a perdu 3-2 contre Reon. Bon, d'accord. Voilà, ça c'est une anecdote parlante. Bien sûr, en effet. Ben, un petit peu de superstition là, du côté de notre ami Gabi Davi. Le parcours justement de ces deux finalistes, un parcours relativement tranquille. En huitième de finale, Nancy est allé gagner à Thionville, une ville que vous connaissez bien, mon cher Gabi. Contre les Portugais, 3 alors, buts à 0, voilà, tout à fait. 3 buts à 0, victoire Nancy. Algrange en avait fait de même en 8e, victoire 4 à 0 contre l'UL Plantière. En quart de finale, la SNL avait emporté 7-0 contre Terville. Algrange avait gagné 3-1 contre Saint-Avold. Et puis en demi-finale, balade de Nancy, toujours 6-0 contre Metz et Sap. Et également balade d'Algrange, 7 buts à 1 sur le terrain de la DH à Saint-Max-Essay. La concentration, le cri de guerre du côté des Nancéennes. Il en va de même du côté des Algrangeoises, même si vous ne le voyez pas actuellement sur votre terrain. Et le coup d'envoi qui va être effectué d'ici quelques instants. Aujourd'hui, elles sont au-dessus de nous, mais on peut les accrocher. Il faudra être solide et ne pas commettre d'erreur. La personne qui a dit ça, c'est Frédéric Biancalani, le coach justement de ces Nancéennes. On l'a dit, cette partie, elle risque quand même d'être ouverte. Oui, ça c'est vrai que... Enfin, moi je la vois très serrée, cette partie. Hein. Et il ne faudrait pas que les Algrangeoises l'abordent avec quelconque sentiment de supériorité, parce que alors là, ça serait la meilleure façon de se planter. Le coup d'envoi qui va être donné par les Nancéennes dans un stade Marcel Picot qui commence à se remplir un petit peu. C'est garni. Alors face à vous, vous allez voir, les tribunes sont complètement vides. Nous ne sommes pas dans un stade fantôme, rassurez-vous. Le public est plutôt de notre côté, c'est bien. Comme ça, on pourra vous faire vivre un petit peu l'ambiance. On peut dire qu'il y a déjà 300-400 personnes dans le stade. C'est une bonne estimation. C'est parti en tout cas pour cette finale de la Coupe Lorraine 2014. Algrange contre Nancy, on vous le disait, le remake de l'année dernière. L'an dernier, Algrange l'avait emporté au tir au but après un 0-0. Nancy, l'équipe maudite qui a joué déjà 3 finales de Coupe Lorraine consécutives, qui n'a pas jamais gagné cette Coupe de Lorraine. Eh bien écoutez, bonne chance aux deux. Voilà comment il faudrait embarquer cette retransmission. La première possession était pour les Nancéennes et finalement Algrange
a réussi à mettre le pied sur le ballon. Ça a été de courte durée et on le voit tout de suite, un gros pressing de la part des Grangeoises. Le ballon qui va partir tout de suite côté gauche avec notamment Kern. Et ce ballon qui va sortir de l'aire de jeu. Nancy, un palme de la régularité, trois finales de Coupe de Lorraine consécutives, un titre régional l'an dernier, un maintien plutôt tranquille, on vous en parlait, en Division 2 cette saison, et surtout deux individualités à surveiller aujourd'hui, Marine Morel et bien sûr Jennifer Broucheret, la gauchère. Attention, des individualités qui peuvent faire la différence du côté Nancy. On vous a parlé du côté d'Algrange de ce trio devant qui risquerait également de faire mal. Vojdila, Martins, Janella. Il y a du but marqué, 71 buts marqués par cette équipe d'Algrange lors de la saison 2013-2014 en Division 2. C'est vous dire si ce match est ouvert. Il y a eu deux confrontations entre les deux équipes cette saison. Nancy a perdu sur son terrain face à l'AS Algrange, 3-0. Mais Nancy avait gagné un petit peu plus tôt dans la saison, c'était lors de la 7e journée. Ils étaient allés s'imposer du côté de l'AS Algrange. Nous verrons donc aujourd'hui quelle sera la réalité du terrain. On le sait, Gabi, la Coupe, c'est toujours une situation différente par rapport au championnat et à ce qu'on a l'habitude de voir. Exactement, c'est un match sec. C'est pas comme le championnat qui est une épreuve de régularité. Il faut être au top le jour J. Exactement, voilà, c'est la vérité d'un seul match. Le ballon qui va être bien sûr renvoyé en 6 mètres par la gardienne du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Il s'agit de Balussou. Puis un petit mot également sur le trio arbitral, puisqu'on n'a que des femmes pour cette finale de Lorraine féminine. C'est quand même assez important pour le faire remarquer. Frédéric Neutsch sera l'arbitre de centre. Clotilde Ocard, arbitre de touche, la première. Et puis la seconde, Aurélie Galland. Voilà, que des femmes, sauf le délégué, monsieur Joël Klein. Allez, la première possession, la première peut-être grosse occasion du côté de Nancy avec peut-être cette première frappe. On a essayé de se mettre pied droit du côté de la Nancéenne. Brocheret, on vous l'avait dit, grosse qualité technique, cette fille. On va essayer bien sûr de chercher dans la profondeur la numéro 10. C'est la bonne sortie. Ouh. Du gardien. Oh, ça a été fauché. Que dit madame Neutsch? Elle vient aux nouvelles. Il y a un choc entre les deux. Elle arrête le jeu. Elle arrête le jeu complètement. Elle ne siffle pas, bien sûr, le pénalty. Elle vient aux nouvelles des deux joueuses, savoir si tout va bien. Est-ce qu'il y avait faute pour vous, mon cher Gabi, sur cette action? Ça paraît peu évident. Très honnêtement, moi, je vois la gardienne s'occuper plus de son vis-à-vis que du ballon. Complètement. Elle qui a fait un arrêt en deux temps. Elle avait relâché ce ballon. La gardienne qui, pour le moment, reste au sol du côté de Algrange chez Burtin. Burtin, Andrea Burtin, c'est la satisfaction de l'année. On savait qu'elle avait des qualités, elle a franchi un palier cette année. Elle a, selon moi, le niveau D1. Ça, c'est les paroles, bien sûr, de son coach, Jérôme Henrionnet. Et là, tout de suite, on a fait appel à la civière et au médecin, en espérant qu'elle ne soit pas fait trop mal. Alors, la gardienne, justement, elle a pu se relever, celle dont on vous parlait tout à l'heure, Andrea Burtin. Par contre, la Nancéenne, Wassioun, une des canonnières de cette équipe de l'Est Nancy-Lorraine, est toujours au sol. Elle a l'air de se relever, ça a l'air d'aller. Et elle va pouvoir tenir sa place, cette numéro 10. On vous l'a dit, à suivre cette fille qui a tout de même marqué la bagatelle de 6 buts cette saison sur 21 matchs joués. L'une des meilleures buteuses, bien sûr, de cette équipe de l'Est Nancy-Lorraine. Et pour le moment, l'attitude des deux coachs sur le bord du terrain est totalement différente. On a Bianca Lani debout, raide comme un pinson, qui observe attentivement la prestation de ses joueuses. C'est elles qui se sont mis en évidence en tout cas sur cette première action, même si là Algrange va tenter peut-être quelque chose avec Yanella qui est partie côté gauche, qui va essayer de repiquer vers l'axe, mais la défense nancéenne qui va pouvoir se relancer, essayer peut-être de construire. C'est bien fait avec ce premier duel remporté par Sassetti. Je vous rappelle également que vous pouvez commenter ce match avec nous via Twitter et via le hashtag, comme l'an dernier, Finale Lorraine, ou Coupe Lorraine, excusez-moi, pas Finale Lorraine, Coupe Lorraine. Donc vous nous mettez le petit dièse, Coupe Lorraine derrière, sans faute d'orthographe, et on lira les meilleurs messages, bien sûr, à l'antenne. Profitez du fait qu'il y ait Gabi Dalvi avec nous pour poser également vos questions, vos suggestions, vos réactions. C'est ça, le foot 2.0, et ce match, bien sûr, vous est offert par la Ligue de Lorraine, bien entendu, qui nous accueille ici à Marcel Picot pour un spectacle qui s'annonce en tout cas passionnant.
avec ce nouveau débordement. On est désormais côté gauche, à nouveau du côté de Nancy avec Kern qui profite et repique par derrière. On se dégage comme on peut du côté d'Algrange. On repart à gauche, à nouveau, cette fois-ci avec Morel. Elle aussi Morel, hein. On l'a dit, elle a une bonne petite patte. Elle peut faire la différence, cette joueuse. Algrange hein, qui a fini, je vous le disais, cette saison en division 2 avec 80 points. Nancy 56. Algrange qui a mis 71 buts. Meilleure attaque bien sûr de ce championnat. Loin devant avec presque 15 buts de plus. Et seulement 15 buts encaissés. Deuxième meilleure défense derrière Vendenheim qui a fini deuxième également. C'est vous dire si cette saison du côté de Algrange est historique. Ah ouais, pour l'instant, Nancy me fait une plus belle impression. Hein. Ouais, les Nancyennes sont bien rentrées dans ce match. Il y a plus de technicité. Hein. Et on a l'impression qu'il y a plus d'envie aussi. Il y a le souci de jouer dans les pieds. C'est pas mal, c'est pas mal. Les Nancyennes, bien sûr, qui veulent conjurer le sort. Hein. On vous l'a dit, elles en ont perdu des finales sur leur terrain en plus. L'an dernier, c'était ici même, devant, sous les yeux de Michel Platini, qui était venu accompagné de son papa. Michel Platini qui n'est malheureusement pas présent aujourd'hui. Oh, le décalage a été fait, c'est bien joué. Avec désormais, c'est Kern qui va pouvoir rentrer centré. Malheureusement, ça a été mal ajusté. Et le ballon qui va sortir en touche. Une petite différence au niveau des organisations défensives. Nancy, on joue carrément à plat, hein. Football moderne. Par contre, à Algrange, j'ai l'impression quand même qu'on joue avec un libéro. Ouais. Et il faudra que je vous confirme ça. On va bien sûr observer tout ceci, mon cher Gabi. Et vous nous dites, hein, dès que vous avez l'information, avec cette charnière, Papé et Oswald. Il y a du talent, de part et d'autre, en tout cas, pour les deux fleurons, hein, on l'a dit, du football féminin en Lorraine. On pourrait citer également le FC Wapi. Qui a remporté cette coupe il y a deux ans. Attention avec le démarrage de Vojdila, côté droit. Est-ce qu'on peut parler d'un derby Nancy-Metz? Non, pas encore. Écoutez, les joueuses... Dans les statuts, ça y est. Et les joueuses en parlent de la sorte, en tout cas. On a posé la question aux deux présidents. Les deux présidents nous ont dit oui, c'est un derby. Oh, attention, hein, parce que là, Vojdila va récupérer un bon ballon. C'est peut-être pas terminé, on se jette du côté des Nancyennes. Martins, désormais côté droit. Martins qui va temporiser, attendre un petit peu de soutien. Ça démarre côté droit. Et Nancyennes en tout cas qui, pour le moment, se jette pour arrêter cette balle. J'en profite également pour vous dire hein, que vous suivez ce match. Et bien sûr, une toute nouvelle chaîne, la chaîne du foot amateur. C'est bien sûr ce que vous propose la Fédération Française de Football. C'est un test pour le moment, mais on espère que ce test sera validé et que cette grande chaîne, en tout cas, aura un bel avenir. On va suivre ce coup franc pour Algrange avec Delisle. Delisle dans la boîte, c'est bien dégagé par les Nancyennes, notamment leur capitaine, c'était Jennifer Brocheret. Et apparemment, on signale une nouvelle faute de la part de Frédéric Neutsch, l'arbitre, on l'a dit, de ce match, pour un trio totalement 100% féminin, pour que la fête soit encore plus belle. Et là, attention, parce qu'il va y avoir, un gros danger qui va être porté sur les buts de Balussou. Et on voit différentes joueuses, et notamment Justine Oswald, la défenseuse centrale, qui va positionner ce ballon. On est allé à peu près à 20 mètres, décalé un petit peu à gauche. Et on a atteint bientôt les 10 premières minutes de jeu. Les joueuses de Nancy hein, qui nous disaient... On essaye d'éviter le terrain de Marcel Picot qui ne nous a pas porté chance ces dernières années. C'est Jean-Michel Serrin, le vice-président de la section féminine, qui nous le disait. Trois finales perdues en Coupe de Lorraine au tir au but. Défaite en Coupe de France également face à Essay. Et pourtant, Marcel Picot, le plus bel écrin pour valoriser les clubs lorrains aujourd'hui. Alors, est-ce que le mur est à distance? Madame Neutsch va justement venir aux nouvelles. Elle donne les consignes. Ça fricote un petit peu, notamment du côté de Vojdila et de la numéro 3 d'ancienne Céline Aubert. Allez, c'est parti du côté d'Algrange. On a fait le leurre. Ça va être finalement la frappe d'Oswald. Ça a été bien enroulé, mais ça va passer largement au-dessus des buts de la gardienne nancyenne, à savoir Balussou. Une occasion de partout, hein, on pourrait dire, avec cette frappe, bien entendu, de Oswald, là sur coup franc. Et également, tout à l'heure, on avait vu l'incursion, notamment de Wassi Youn.
avec Martins qui va bien remettre ce ballon. Attention, il y a un coup à jouer parce qu'il n'y avait personne à gauche malheureusement. On a mal géré et évalué la trajectoire de ce ballon. Du côté des filles de Algrange, la touche sera bien sûr pour les Nancéennes pour une nouvelle possession. Le discours des joueuses, hein, Mathis côté Nancy qui nous disait on a perdu les deux dernières finales au tir au but. Samedi, on ne part pas favorite, mais on va tout faire pour tenir tête, excusez-moi, à Algrange. L'objectif, bien sûr, de ce Algrange FC Metz l'an prochain. Eh bien, le président là-bas nous disait pourquoi pas l'Europe, tout est possible. Même si, bien sûr, on le rappelle, le mieux, ça serait d'abord le maintien. Ça, c'est ce qu'il disait de façon un petit peu plus calme. Et du côté de la préparation, hein, côté Nancéenne, on n'a plus rien à jouer en championnat. Donc elles ont utilisé les deux derniers matchs justement de championnat pour préparer cette finale. Elles ont beaucoup travaillé la tactique, préparé d'ailleurs un plan spécial, hein, tactiquement pour ennuyer leur adversaire du soir. Il y a quand même deux absentes, et deux absentes de premier plan. Maud Bouvinet blessée et Marie Chappe suspendue, la malheureuse, suspendue la semaine passée. Elle avait terriblement envie de jouer cette finale et elle a accompagné ses coéquipières aujourd'hui. Elle est au stade. M'en suis qui va me donner un bon ballon dans la surface de réparation. C'est bien joué. Il n'y a pas de position d'orge aussi. Signalé par l'arbitre assistante Aurélie Galland qui avait levé son drapeau de l'autre côté du terrain. Aurélie Galland, arbitre assistante au même titre, hein, on vous l'a dit, que Clotilde Ocard. Donc, du côté nancéen, je vous le disais, hein, deux absents. Biancalani a fait réviser d'ailleurs ses tirs au but, hein, à ses joueuses hier lors de la dernière séance. Mathis qui nous disait d'ailleurs on préfère gagner dans le jeu. On le rappelle, hein, elles ont perdu les deux dernières finales au tir au but, les nancéennes. Il était temps de les travailler, mon cher Gabi. Oui, mais bon, ça ne mettra jamais le sel de la compétition sur ce que vous faites à l'entraînement au niveau du tir au but. J'ai connu des joueurs qui marquaient les yeux fermés le jeudi soir. Et qui le dimanche après-midi avait énormément de mal à concrétiser. Oui, bien sûr, bien sûr. Entre l'entraînement. Enfin, ça fait rien. C'est un exercice que je faisais toujours lors du dernier entraînement avant la compétition. Pour vous, c'est important justement avant une finale de travailler ces pénalités. Bon, si on les travaille pas, ça, c'est pas professionnel ou c'est ça, pas. Ça devenait un rite. D'accord. Une superstition. Voilà. La nouvelle touche pour les Nancéennes. On va jouer derrière. Essayer de repartir de son camp de la ligne médiane, notamment avec cette charnière, hein, dont on vous parlait, Rampant, Aubert et Mansuy. On ne sait pas si elles sont 3 ou si elles sont 5 derrière, mais en tout cas, on imagine. Oh, attention à cette frappe qui ne va pas tromper la gardienne algrangeoise Burtin qui s'est saisie du ballon dès demain. Je vous le disais, on imagine que dans ce dispositif. J'étais parti ailleurs. On a l'impression que dans ce dispositif nancéen, les latéraux vont avoir un grand rôle à jouer. Là, on le voit avec cette ligne de 3 et deux joueuses de couloir qui vont, mon cher Gabi, eh bien, essayer d'apporter le surnom, notamment sur les côtés. Bah, si les joueuses de couloir ne font pas les appels nécessaires dans les couloirs, fatalement le milieu de terrain va être dénudé. Hein. Mm-hmm. Parce que lorsque vous jouez à 5 derrière, fatalement vous perdez un joueur dans le milieu. Donc il faut que cette absence soit compensée par la présence constante des arrières latéraux dans le couloir. D'ailleurs, c'est un système que je n'aime pas trop. Ah, vous ne l'aimez pas trop, d'accord. Eh bien, c'était bien. Mais dans un système à 5, mais avec deux éléments hyper offensifs sur les côtés. Bon, là, je suis partant. Eh bien, écoutez, on va voir dans les minutes à venir, justement. Et si c'est pour jouer à 5 avec deux latéraux et bétonné. Qui jouent dans un rôle de latéral à l'ancienne, là, on va vers un match fermé. Hein. Eh bien, écoutez, on va voir justement si ce sont des latérales à l'ancienne ou modernes. Non, notamment, on va regarder leur activité offensive à ces joueuses nancéennes. Du côté algrangeois, on parlait de préparation du côté de Nancy tout à l'heure. Pour Algrange, eh bien, elles sont restées dans leur bulle jusqu'à hier soir, où elles se sont toutes retrouvées pour un dernier entraînement. Le partenariat avec le FC Metz et la montée en D1 a bien sûr apporté une médiatisation, hein, supplémentaire. Mais le président Labatte l'assure, elles sont restées humbles. Et d'ailleurs, tout le club reste humble. Et c'est important aussi à ce niveau-là pour progresser et puis s'installer dans l'élite française.
Moi, je pense que les joueuses et le staff technique n'ont pas dû voir d'un mauvais œil cette association avec le FC Metz. Il y a quand même le nerf de la guerre qui va être important en Ligue 1. Et le nerf de la guerre, c'est bien sûr le portefeuille ou le porte-monnaie. À votre convenance, je vous laisse trouver le meilleur mot. Alors, une faute signalée par Madame Nutch et ça va donner un bon coup franc, notamment pour Algrange qui va pouvoir se dégager, donner un peu d'air. On vient de passer le premier quart d'heure de jeu, Gabi, et on a l'impression, c'est vrai, Algrange un petit peu endormi dans ses Oui, débuts de match. on les a pratiquement pas vus dans les 30 mètres adverses. Par contre, il y a le souci d'un jeu bien construit de l'arrière par les Nancéennes, mais qui ne s'avère quand même pas très dangereux dans les 20 mètres adverses. C'est vrai, elles ont pas été tranchantes, en tout cas sur les 30 derniers mètres, ces Nancéennes, même si pour le moment c'est elles qui ont la possession du ballon et qu'elles s'en sortent plutôt bien. Elles s'en sortent bien puisqu'en plus Algrange, la semaine passée, a joué contre Amiens qui a fini juste au-dessus de Nancy et le tarif a été Lourd. sévère, hein. 9 buts à 1 pour Algrange à l'extérieur en plus pour le dernier match de la saison en D2. Alors on va essayer de ressortir ce ballon côté Nancy, mais on voit la pression. Et le pressing algrangeois gêne bien ces Nancéennes. C'est vrai qu'on a parlé hein, beaucoup de saisons historiques hein, pour Nancy, pour Algrange, mais il faut dire également que Nancy n'a pas été en reste hein, pour sa première saison en deuxième division. Les Nancéennes qui terminent tout simplement à la sixième place Ce avec qui 56 est, points, c'est tout à fait honorable. oui, j'allais dire, c'est tout à leur mérite. Nancy, sans doute un club d'avenir, un club qui a d'ailleurs le président Algrangeois Labatte me disait que le budget de Nancy est quand même supérieur à celui d'Algrange de 4 à 5 fois. On va suivre ce coup franc, bien sûr, avec ce ballon bien dans la boîte. Ça a Voilà, été dégagé, là, ça va Monsieur revenir, Labatte attention. exagère un peu quand même, 4 à Oui, 5 fois. je pensais aussi, ouais, je pense que. Parce qu'ils ont déjà un budget conséquent, Algrange. Hein. Bon. Par rapport à la L1, c'est nettement insuffisant, puisque je crois qu'ils doivent tourner à 50 000 euros. C'est ça. Mais ça voudrait dire que 4 à 5 fois, ça veut dire 250 000 euros Ça à fera un peu Nancy. beaucoup, ouais, Ça complètement. fait, ça me semble. Bon, maintenant, c'est les chiffres qui nous le diront. Hein. Ah, c'est la On bagarre des ira chiffres, bien à sûr. l'Assemblée générale. Oui, voilà, on vous donnera des nouvelles, bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez commenter ce match avec nous via le hashtag Coupe Lorraine. Voilà, ça se passe sur Twitter. Vous nous mettez votre petit message, comme vous avez l'habitude de le faire. Et nous, bien sûr, on lira les meilleurs messages avec Gabi à l'antenne. Un petit arrêt de jeu et on est reparti ici à Marcel Picot. Il y a plein de surprises, hein, bien sûr, dans cette journée. Je vous l'ai dit, à 17h30, on retrouvera bien sûr la finale, messieurs, avec un duel entre l'APM Metz et le STAON. Là aussi, ça risque d'être très sympa. Et un invité surprise, notamment juste avant ce match pour donner le coup d'envoi. Je ne vous en dis pas plus. L'action Nancéenne, c'était bien joué, ça, avec peut-être une deuxième chance pour sa numéro 9 qui va subir une faute. Oui! Oh, beaucoup franc à jouer là. Bien vu de la On part va de tester Frédéric Neutsch. la frappeuse de coup franc. J'ai déjà des réactions hein, sur la discussion que nous avions, sur les ambitions, notamment de Metz-Algrange, même s'il faut dire Algrange aujourd'hui. Erwan Chapelle qui nous dit il est un peu fou le président de Metz-Algrange de parler d'Europe pour la saison prochaine, déjà le maintien. Mais il est ambitieux, voilà. Monsieur Labatte est un garçon ambitieux. Attention à ce coup franc. Les Nancéennes, 19e minute de jeu, elles sont deux autour de ce ballon. C'est comme si le président serait parlé de Champions League. Et oui, exactement. Ou d'Europa League, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Avec la génération de Auré Messine que l'on connaît. Elles sont deux autour du ballon, je vous le disais. On a Wassi Youn et surtout Brocheret. C'est Brocheret qui s'élance et directement dans les bras de la gardienne algrangeoise, Burtin. Burtin qui va prendre son temps. On en est quand même à deux frappes cadrées hein, du côté de Nancy. Ouh, le dégagement qui avait été un petit peu raté hein, de la part de sa gardienne. Finalement, sans trop d'encombre. Et une petite main, oui bien sûr, bien signalée par l'arbitre. Une main de Delisle, la milieu de terrain algrangeoise. Ah, il y a quelques supporters de Thionville également hein, sur Twitter. La nouvelle génération de Thionville est nettement supérieure à celle de Vemrange. Tortue géniale qui nous envoie ça. Quel est le rapport avec la Je ne sais finale pas. de la Coupe Je ne sais Féminine? pas. Je pense que ça a un rapport avec moi. Voilà, à mon avis. Je pense que dès que vous êtes quelque part, mon cher Gabi, forcément, forcément, eh bien,
on en revient bien sûr à Thionville. Non mais on sait qu'au niveau des jeunes au Thionville FC, c'est vraiment là de la qualité, hein, ça c'est clair. Attention à ce démarrage de Janela qui a cherché Vojgila à l'entrée de la surface de réparation. On vous l'avait dit, hein, ça peut aller très très vite, hein, sur ce trio devant Janela, Martins, Vojgila. Pour le moment on les a pas beaucoup vus. On a surtout vu Janela sur son côté gauche qui a fait la différence quand même deux fois. Oula, attention. Allez, peut-être ce ballon. Si ça passe, ça peut apporter beaucoup de danger du côté algrangeois. Et la faute, oui, bien sifflée par Frédéric Neusch. Comme vient de me dire Émilie Barbeau, on ne met pas de thé. Je pensais qu'on était en Lorraine et qu'on pouvait mettre le thé. Et voilà. Quand un Parisien voyage, voilà ce que ça donne, mes chers amis. Excusez-moi, bien sûr, cher Laurent qui nous suivait derrière votre écran. Et merci à Émilie Barbeau de m'avoir repris pour le coup. Madame Neusch, donc, en pleine discussion avec la joueuse algrangeoise, à savoir de Lille. Elle donne ses consignes. Madame Neusch, elle a arbitré en D2 féminine cette saison, notamment en tant qu'assistante. Et la stat, c'est que Nancy n'a jamais perdu sous le sifflet de Frédéric Neusch. Eh bien, c'est écoutez, là qu'on va voir l'efficacité sur les coups de pied arrêtés. On va pouvoir comparer ce qui s'est passé d'un côté et de l'autre. Attention, il y a eu beaucoup d'élan. Ça va passer au-dessus, comme tout à l'heure. La deuxième joute pour Algrange, eh bien, deux occasions, deux coups francs bien positionnés, mais deux coups francs qui sont passés plutôt largement au-dessus des buts de Balussou. Il fait de plus en plus chaud, j'ai l'impression, mon cher Capi, ici à Marcel Picot. Comme on est à l'air libre, on ne peut pas parler de climatisation. Hein. Ah là, malheureusement, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Le démarrage du côté de Nancy et Algrange. Vous voyez, hein, tout de suite Vojgila qui a tenté de peser un petit peu sur la défense sans grande. Ah, elle est bonne. Ah oui, c'est bien joué ça, ce bon ballon à destination de Sassenti. Sassenti côté droit. Elle va chercher de déborder son vis-à-vis. Elle a le rebond en tout cas favorable avec elle, mais bon jaillissement à nouveau de la défense d'Algrange qui va essayer de repartir en contre-attaque. Oh, elle a bien joué ça, Wasiyoun. Elle a bien interposé son corps. Oh, le contre-favorable. Elle est face à trois joueuses algrangeoises. Elle a tenté le sombrero. C'était peut-être un petit peu peu ambitieux, mais bon. Elles vont chercher les algrangeoises très haut, les Nancyennes. Hein. Attention à ce ballon. Bien joué de Martins vers Vojgila. Vojgila qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Il n'y a personne autour d'elle. Elle va frapper pied droit. Oh, c'était bien capté. Ça a été bien capté par Barlussou. Première occasion franche. Hein. C'est la première occasion franche, on peut le dire. En tout cas, du côté d'Algrange, il y a eu l'occasion tout à l'heure pour Nancy, ce face-à-face entre Wasiyoun et Burtin. Et bien voilà, 23e minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. Mais on sent, Gabi, que ce match risque d'être serré quand même, même s'il y a des espaces. J'ai l'impression qu'on va voir un match à possession nancéenne. Mais à éclair fulgurant, algrangeois. Bon, Vojgila, la buteuse algrangeoise n'a pas profité. Ah, il y aura la petite pause à la moitié de la mi-temps. Tout à fait, ça a été décidé notamment par le délégué. On rappelle son nom, Joël Klein. Du fait de la chaleur, on aura donc une petite pause à la mi-temps de la mi-temps pour justement permettre aux joueuses de boire un petit coup, de se rafraîchir, de se réhydrater surtout. C'est très important, hein, on l'a dit, hein, il fait entre 25 et 30 degrés ici au stade Marcel Picot. Oui, alors je disais que finalement cette occasion n'est pas venue d'une action construite, elle est venue sur d'un super loupé je crois que c'était Mansuy. Tout à fait. Elle ne peut pas quand même prétexter un faux rebond, hein, avec cette superbe pelouse synthétique. Je crois qu'il y a eu même une glissade plutôt. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est ce que Frédéric Biancalani disait. En face, c'est costaud, c'est efficace. Comme Vendenheim, ils n'ont pas de points faibles et de très bonnes joueuses à tous les postes. On a pourtant réussi à gagner sur leur pelouse. Si on réussit à être aussi réaliste et surtout qu'on ne fait pas d'erreur, on peut gagner cette finale. Mais il va falloir commencer par ne pas faire d'erreur. Et vous l'avez bien rappelé, Gabi, ça va être compliqué. Sinon,
de se mettre à porte-à-faux parce qu'on l'a dit, ce trio va très vite. Quelques petites stats encore très intéressantes. Vojila, c'est 25 buts cette saison en D2. Adeline Jadella, c'est 11 buts. Vitali Delisle, 8. Elodie Martin, ce qu'on a vu sur le côté droit, 7. C'est-à-dire que ce trio-là, à L3, si je suis toujours aussi bon en calcul, ça nous donnera à peu près 33 buts à L3, ce qui est quand même absolument énorme. 44. Je vous avais dit que je n'étais pas bon en maths. C'est bien pour ça que je n'ai pas fait d'études scientifiques. Ah, voilà. J'ai toujours reproché à l'éducation nationale d'avoir abandonné le calcul mental. Eh oui, vous voyez, bah, je suis la génération justement qui a été abandonnée par le calcul mental. Vous êtes génération calculatrice, vous. Voilà, exactement. Le ballon qui va filer le long de la touche. On rappelle, Gabi, pour les personnes qui ne sont pas habituées, bien sûr, au stade Marcel Picot, c'est bien un synthétique que nous avons ici. Alors, est-ce que ça peut changer quelque chose pour les deux équipes? Non, pas forcément. Est-ce que Nancy s'est entraîné sur ce terrain cette semaine? Alors, de toute façon, ils doivent s'entraîner sur un synthétique. Voilà, sur l'annexe à côté qui est également voilà. Synthétique. Nancy, on vous l'a dit tout à l'heure, qui essaye à tout prix de ne pas jouer sur ce stade Marcel Picot, qui préfère justement l'annexe qu'elles utilisent même tout au long de l'année. Mais ouais. Bon, aujourd'hui, c'est finale de coupe, hein. on peut pas y échapper. Et normalement, ça devrait être terrain neutre. Normalement, ne peuvent pas se plaindre. Mais ça, c'est le médecin qui parle. Enfin, le médecin, pas tout à fait le médecin, mais le médecin de cœur. Le voilà. Fenchua. Voilà. Martin, oh là là, il y a eu un gros contact entre Vojila et notamment la numéro 8, Kern, du côté de Nancy. Vojila qui est resté au sol. Alors, Vojila a une particularité, c'est que son papa est secrétaire du club à Algrange, ancien entraîneur adjoint. Et également, eh bien, le médecin kiné est également de la famille Vojila. Le football, c'est souvent une affaire de famille, on le dit. Et encore plus à Algrange, avec ses Vojila. Et on risque d'en entendre parler l'an prochain de cet attaquant, de cette numéro 9 des Bleus. Pour leur dernière sortie hein, sous le maillot bleu, puisque l'an prochain, ce sera le maillot Grenat. Qu'elles vont revêtir ces filles d'Algrange. Alors si Algrange a vraiment une trajectoire ascendante du côté des femmes, du côté des hommes, on peut pas en dire autant. Là, avec 5 descentes en 5 ans, Gabi. Oui. C'est, je dirais, l'après Franceschetti, qui est devenu le bras droit de président Serin au FC Metz. D'ailleurs, c'est un peu lui l'artisan de ce partenariat. De ce partenariat, je dirais même de cette fusion. Et... depuis qu'il est parti, les choses sont allées de mal en pis. Mais bon, on ne peut pas reprocher quand même au président Merel, là, qui a cédé sa place au président Labatte, de ne pas avoir bossé. Bon, le problème, c'est qu'il y a fuite de joueurs, que ce soit au niveau des seniors, mais aussi au niveau des jeunes. J'ai été voir les U11 algrangeois et un éducateur algrangeois. Monsieur Rabillet, qui est un phénomène. Ah oui, c'est un gars à qui on doit tirer son coup de chapeau. Il me disait que c'est pratiquement la dernière équipe de jeunes, quoi. C'est triste. Alors là, il y a du boulot à faire. Donc, président Labatte a un énorme chantier devant lui. Hein. Eh bien, écoutez, on lui souhaite bon courage en tout cas. Et on espère. Vous rendez compte, c'est un club qui n'a jamais connu le district, hein, ouais. Qui se retrouve en district. Quand moi j'étais jeune, je suis de Fontoy, on rêvait d'aller jouer dans les équipes de jeunes à Algrange. Alors, c'est dire, ouais. C'est et dire là, maintenant, Angevillers, Algrange va jouer avec Fontoy justement, avec Bure. Heureusement que Angevillers n'est pas monté, enfin malheureusement pour Angevillers, mais ça aurait pu être encore un des nombreux derbies qui va être l'apanage de la saison algrangeoise. Eh bien, écoute, mais il y a du boulot et... Bon, finalement, il y a une nouvelle équipe qui arrive, souhaitons-leur la totale réussite. Hein. Ouais, complètement. On ne peut que leur souhaiter ça, la même réussite en tout cas que pour les filles. Au moins ça, ça serait bien. Oh, on leur demande pas de retrouver la première division non plus, mais au moins un statut digne de son rang, digne du rang d'Algrange. Une petite question peut-être que vous posez également, savoir est-ce que ces filles qui ont évolué cette année en deuxième division sont professionnelles, semi-professionnelles, est-ce qu'elles peuvent avoir un contrat fédéral? Eh bien non. Pas en deuxième division, par contre en première division, vous avez l'obligation d'avoir 7 contrats fédéraux.
Donc un nouveau chantier également hein, du côté d'Algrange pour la saison prochaine. Ah bah, 7 contrats fédéraux, ça va faire la facture. Ça, ah hein. Oui, ça va faire une belle facture. Parce que ce sont des salaires imposés. Hein. Il y a un nombre de points minimum. Exactement. Et après, ce nombre de points augmente avec les saisons, le vécu, les sélections. Et donc, à cela, ça donnera un salaire brut. Il y aura des charges pour la joueuse, mais il y aura aussi, surtout, des charges patronales pour le club. Et ça a joué des tours, notamment à Vandenheim. Hein, on s'en rappelle, hein, qui a fait l'ascenseur d'une année sur l'autre, était monté en D1 et qui redescend en D2. Et malheureusement, l'addition est salée. On va suivre ce premier corner, justement, de la partie. Attention, Martin, ça va bien sauter. Et la gardienne Balussou qui s'est un petit peu trouée, on peut le dire, hein, oui, sur oui. Cette action. Le ballon qui va sortir en touche, une touche qui va être pour les Bleus d'Algrange. Mais on note aussi l'absence de joueuse de tête là, hein. C'est un corner qui était super bien tiré. Ouais, complètement. Ouais. Complètement, il était très très bien tiré en tout cas dans la zone dangereuse forcément. Le ballon qui va sortir, non. Par contre, au bout de 30 minutes, on pourra dire quand même que ça fait 5 minutes en tout cas, que les Algrangeoises ont repris un peu la possession du terrain nancéen. Le début de match avait été nettement à l'avantage des Nancéennes, sans occasion franche. Et là, par contre, Algrange, tout doucement, prend l'emprise sur ce match. Et Frédéric Biancalani nous disait le gros souci de Nancy cette saison, ça a été justement de concrétiser sur les 30 derniers mètres, un problème d'efficacité également devant le but. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu hein, sur cette première demi-heure. Il y a eu une domination nancéenne en début de partie, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas su concrétiser, elles n'ont eu qu'une grosse occasion. Mais c'est vrai que ça méritait peut-être un petit peu mieux. Hop là, corner. Et le deuxième corner pour Algrange. Allez. Algrange de plus en plus tranchant. Dans cette première période, j'ai l'impression que l'équipe qui ouvrira la première la marque, ça sera un très très gros avantage. Oui, complètement. Hein, dans ces matchs, c'est toujours un petit peu serré. Les joueuses ont l'air quand même assommées par la chaleur. C'est toujours très compliqué hein, de jouer avec un temps pareil. Vous le disiez tout à l'heure en antenne, mon cher Gabi. En plus, ici à Marcel Picot, on est un peu dans une cuvette. Mm-hmm. Donc on ressent encore plus la chaleur. Que si on était un petit peu en hauteur, un petit peu dans un stade ouvert, comme à Saint-Symphorien. Le corner, une nouvelle fois bien tiré cette fois-ci. Balussou n'a eu aucun problème pour le capter. Et elle va relancer à la main. C'est intéressant parce que ça peut apporter un petit peu de rythme. Avec Wassiou qui est passé, 3. C'est bien joué. Le 4 contre 3, comme vous l'avez dit, on l'avait vu la brèche. Malheureusement, la défense algrangeoise ne s'est pas fait prendre. Attention à Vogila là, qui va mettre la pression. Quel renard Vogila va récupérer ce ballon. C'est bien joué, même si elle concède la touche. Joueuse intéressante, Julie Vojdila. C'est la buteuse, on ne la voit pas. Mais quand elle marque beaucoup. Elle fait beaucoup d'erreurs. Elle est capable de louper trois grosses occasions, mais de mettre ensuite trois buts compliqués. Une nouvelle fois, les paroles de Jérôme Orionnet pour parler de son attaquante. Bah, elle en a déjà loupé un qui n'était pas trop compliqué. Hein. C'est vrai. Là, c'est peut-être synonyme de but à venir. On va voir si on devait suivre en tout cas les conseils de son coach. La touche qui va être effectuée par la numéro 3. Cindy Mallet. Et finalement ce ballon qui va sortir en sortie de but. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur cette première demi-heure? Il y a quand même un petit peu de rythme, mon cher Gabi. Et techniquement, en tout cas, on voit moins de déchets qu'on a l'habitude de voir, en tout cas, dans une finale de Coupe régionale féminine. Bah oui, alors là, on a quand même les deux équipes les plus huppées de Lorraine. Donc, c'est un peu la hiérarchie qui a été respectée. Et tout naturellement, le niveau technique est... correspond à la division où elle joue, à savoir pratiquement le très haut niveau quoi. Et je dirais même que Nancy sur les 20 premières minutes avait imposé une technicité supérieure. Bon là ils ont tendance un peu à reculer, à ne plus pouvoir sortir de leur camp, même s'ils multiplient, ils évitent de balancer, comme on dit, ils essayent de repartir dans les pieds. Mais il y a un marquage très strict de la part des Algrangeoises.
Et on voit un bloc très mobile de la part des Algrangeoises. On défend ensemble, on attaque ensemble. Et j'ai même l'impression que les Nancyennes sont passées à 4 derrière. Regardez. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est bien, dans c'est bien vu. Il n'y a plus que deux joueuses. Hein. C'est bien vu. Peut-être que Frédéric Bocalani. Elles sont 2 pour 2. Bah, c'est donc du marquage là, individuel. Hein. Oui, mais bon, c'est une prise de risque de l'entraîneur nancéen. On va suivre cette touche puisque c'est justement elle, les Nancéennes, qui actuellement ont le ballon. Il n'est pas sorti ce ballon. Allez, il fallait peut-être aller se battre. Échelle qui malheureusement est qu'elle-même. Mégane Ekel qui a laissé ce ballon sortir puisque la touche était bien sûr pour les Nancéennes. Une remise en jeu qui va être effectuée par Mansuy. Et j'ai un gentil message en tout cas de Christophe Monzin qui nous dit « Sympa de pouvoir suivre la SNL féminine depuis Paris grâce à vous. Allez Nancy !» Puis on a Erwan Chapelle toujours qui nous donne également son avis un petit peu sur l'équipe de l'Est Nancy-Lorraine. Très intéressante, à moyen terme l'équipe pourra jouer la montée en D1 comme l'OM qui arrive en D2. Et oui c'est ça, on retrouve de plus en plus les grands clubs qui commencent à arriver vers l'élite du foot féminin. Signe également du développement de la discipline. La nouvelle touche pour Nancy avec notamment Mansuy. Mansuy qui cherche une solution, il y a beaucoup de joueuses en tout cas sur ce côté gauche. Mansuy qui va tenter le centre extérieur, on l'a repris, c'est bien joué. Ouh, ça va passer juste à côté. Oh oui, la prise d'initiative était très très bonne sur cette action. C'était en tout cas joliment joué de la part de Kern. En tout cas la gardienne n'avait pas bougé d'un pouce. Hein. Si c'était cadré, c'était but. Hein. Ouh, aïe, 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 quelle reprise absolument incroyable. 36e minute de jeu, on a bien failli assister à l'ouverture du score et de la plus belle des manières, en tout cas de la part de Kern. Et on l'a vu sur le renvoi à suivre, ce n'est pas Burtin hein, qui a tiré ce 6 mètres, mais bien une joueuse de champ. Ça arrive, même en deuxième division du championnat de France féminin. Il y a encore du travail sur la formation des gardiennes, on peut le dire, mon cher Gabi. Oui. Et c'est pas que d'un point de vue français, c'est aussi d'un point de vue mondial. Vous savez, le football féminin, hein, il en est à ses balbutiements. Hein. Complètement. C'est quoi ? C'est 30-40 années, hein, pas plus. Hein. Tout à fait. Quand on voit que Nancy a créé sa section féminine en 1970, Algrange en 1999, c'est vous dire que c'est tout récent. Hein. Voilà, donc ça fait 40 ans d'un côté et encore... Il y a eu des années où il n'y avait plus d'équipe féminine à Nancy. Hein. Ça a été des années où... Ah, attention là. Ouais, c'est bon ballon avec Wassi Youn qui va essayer de rentrer côté droit. Elle va disputer ce ballon, mais très bonne couverture d'Oswald. Défenseuse centrale, joue avec beaucoup de métier. Exactement. Elle, c'est la râleuse, hein, Justine Oswald. Enfin, la râleuse qu'il faut dans un groupe. Et ça arrange un petit peu le coach Jérôme Orionnet, puisqu'il dit ça m'évite d'intervenir. Elle râle, mais souvent à bon escient. C'est la bonne capitaine râleuse. Voilà. Même si aujourd'hui, si bien sûr que c'est la capitaine algrangeoise. Le dégagement qui a été à nouveau effectué par une joueuse de champ du côté des Bleus. La bagarre du milieu de terrain, comme on a l'habitude de le voir et de le dire. Oh, attention à ce ballon perdu. Peut-être. Une bonne opportunité pour Algrange. Malheureusement, on est repassé par derrière. On n'a pas pu mettre en place ce jeu rapide. Hein. À une touche de balle. Jérôme Orionnet hein, qui nous disait qu'il n'y avait pas de grand écart entre ces deux formations. Mais quand même, un aspect mental à ne pas oublier puisque Algrange est une ville de 65 000 habitants. Et pour faire monter un club d'une ville de 65 000 habitants en première division... 6500 habitants. 6500, excusez-moi. Oui, tout à fait. 6500 habitants. Il faut quand même avoir des ressources morales et un petit plus dans la tête. Non, mais il y a eu au départ le gros travail de Khedija Bettar, hein, qui a été joueuse puis entraîneuse de cette équipe. Et c'est avec elle que le club a pris, a œuvré pour avoir des fondations solides. Et depuis, le chemin a été tracé, bien suivi. L'arrivée de l'entraîneur Orionnet a fait le reste. Ah, ça c'est sûr que c'est quand même le déclencheur hein, pour Algrange. Ça a tout changé, hein, l'arrivée de Jérôme Orionnet. Elles sont montées d'un cran quand même en termes de qualité, de travail aussi. On le rappelle, hein, Orionnet, l'ancien de la maison nancéenne.
Gendre de l'ancien conseiller technique régional, oh, bah écoutez, Serge Mularoni. Eh bien, vous avez même des infos croustillantes, mon cher Gabi. J'étais voilà. Pas allé aussi loin dans la préparation du match, vous avouez. Non, c'est un gars que je fréquentais à la commission de Lorraine, stage et sélection et technique. Donc, c'est un gars quand même qui a du vécu. Hein. Bien sûr, et du ballon. Voilà. Attention à ce ballon, à ne pas perdre. Hein. Du côté de Nancy, on s'est jeté. Il a du mérite quand même, hein, parce que venir de Nancy jusqu'à Le Grange. Oui, faut le faire. Ça fait quand même 200 km pour chaque entraînement. Hein. Faut le faire, surtout quand on a bâti justement ou rebâti l'école de foot féminine du côté de Nancy. Repartir à Le Grange dans des structures un petit peu différentes. Il fallait le faire, mais il l'a fait, Jérôme Henrionnet. Et je me rappellerai toujours de sa réaction lors de la finale l'an dernier. Où le premier mot qu'il avait eu, c'était justement pour Nancy, alors que lui était coach de Algrange. Il avait dit, j'ai une pensée pour cette équipe nancéenne qui a perdu une deuxième finale consécutive au pénalty. Et il faut leur rendre hommage. C'est vous dire le fair play de ce garçon, l'accessibilité également. Garçon très simple, très humble. Et vraiment l'image de ce club, en définitive. Et des valeurs, bien sûr, véhiculées par Algrange. Et Jérôme Henrionnet, en tout cas un garçon très très investi dans le football féminin. Et il a une autre passion, c'est les tatouages. Ah d'accord. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec lui tout à l'heure. Est-ce qu'on va l'accueillir torse nu? Moi pas, je vous avouerai pour pas faire peur à nos auditeurs. Allez, le ballon dans la boîte, c'est bien joué ça. Si on arrive à le contrôler du côté lancer, la bonne sortie de la gardienne. Attention, il y a peut-être une deuxième chance pour les Blanches et Rouges. Ouh, ça a été contré, dommage, on a peut-être un petit peu trop temporisé. Notamment du côté desquels le ballon qui va filer à gauche, ah, ça fait et qui quand va même sortir. Deux grosses occasions pour les Nancyennes. Hein. Attention, attention à ne pas trop en gâcher. Pour justement, l'instant, occasions. Je dirais que avantage au point pour les Nancyennes hein, sur cette première mi-temps. Hein. Allez, les Nancyennes justement qui repartent côté gauche. Ah, le ballon a été perdu. Martin Salvaguette. Elle va lancer tout de suite. Une coéquipière, il y a peut-être un coup à jouer, mais une défense bien regroupée, surtout une très bonne intervention de la part d'Aubert. Les Nancyennes qui gardent le pied bien sûr sur ce ballon. Et je peux vous dire que chaque duel est important, on se bat sur tous les duels de part et d'autre. Ça va être chaud jusqu'au bout. En tout cas, ouais. La prestation de... Oh, attention à ce ballon, ne pas perdre. De Mélanie, de Malais Cindy... Et vraiment sans reproche. Hein. Ah oui, là, aucune faute. Hein. Ah ouais, elle a gagné tous ses duels depuis le début. Bon, elle a un peu de mal lorsque le ballon va dans les espaces et que la joueuse nancéenne, je crois que c'est Karen, elle reçoit le ballon lancé. Bon, là, elle a un peu de mal au niveau vitesse. Mais sinon, au niveau des duels, on peut dire qu'elle a fait à son faute hein, durant cette première mi-temps. Ah oui, là, rien à rajouter, je suis de votre avis, mon cher Gabi. Très très importante, en tout cas, on voit une belle assise également défensive hein, de la part d'Algrange. Regardez, elles sont presque deux joueuses hein, sur le porteur du ballon. Même si là, elle n'est plus que toute seule, attention, elle a pu se retourner à la Nancéenne. Elle va profiter là. Du contre-favorable, elle est tombée, mais il n'y avait rien. Et regardez, ce jeu est une touche de balle, ça va aller très vite. Ouais, bien joué ça. On va écarter sur les côtés, du côté d'Algrange. On va repiquer sur Martins. Oh, bien joué Martins qui va lancer justement la latérale. La numéro 3, Malais. Vous en parliez tout à l'heure, mon cher Gabi. Et bien défensivement et offensivement, elle tient son rôle. Voilà, santé, hein. Elle dormira bien ce soir, pour reprendre une expression chère à vous. Elle dormira encore mieux si la coupe est à côté d'elle. Voilà, surtout. Avec une petite goutte de champagne avec modération, bien sûr, dedans. Ça fait toujours plaisir. Malais qui a justement effectué cette remise en jeu. Le champagne, ça sera pour le clubhouse à Algrange. D'ailleurs, les deux présidents qui n'ont pas voulu nous dire hein, ce qu'il y avait de prévu comme fête en cas de victoire, sans doute un petit peu de superstition. Oh, attention, parce que je suis pas sûr qu'elle était en position de hors-jeu, cette numéro 9 de l'Est Nancy-Lorraine. Fort heureusement, il y a eu une belle intervention à nouveau d'Oswald également. Et Algrange qui va chercher... Toujours, hein, vous voyez, de repartir par derrière. Là aussi, on est sur une logique de construction. Martins, très percutante. Oh, elle avait vu Mojdila. Elle a glissé, mais elles étaient deux à avoir glissé. Et que dit Mojdila était hors jeu. Voilà, c'est bien ça. L'arbitre assistante
Clotilde Ocar avait levé son drapeau. Fort heureusement, bien sûr, pour l'Est Nancy Lorraine. Allez, on va jeter un petit coup d'œil au tweet. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr commenter cette première finale de la journée, la finale féminine, puisqu'on passe eh bien une journée Coupe de Lorraine aujourd'hui. 14h30, c'était l'heure du début de match. On est bientôt à la fin de cette première mi-temps entre Nancy et Algrange, toujours 0-0. Et puis à 17h30, on vous rappelle qu'il y a un autre gros match qui nous attend entre l'APM Metz et le Estaon. Et tiens, j'ai Émilie Barbeau qui voudrait nous faire parler de quelque chose. Les demi-finales de Coupe de Meuse entre Saint-Mihiel-Bar-le-Duc et Sorcy-Verdun, c'est le 15 juin à 15h. 15 juin à 15h, le 15 est désormais partout. Voilà, pour le petit coup de pub pour justement cette demi-finale de Coupe de Meuse. Alors ce jour-là, il y aura les demi-finales de Coupe de Meuse féminine. Et après, il y aura l'équipe de France ce soir. Eh ben voilà. Une journée foot comme on en rêve tous les 4 ans. Voilà. Oh, attention, elle a fait la différence. Je me dis qu'elle a du jus. Hein, Ouais. C'est bien vu joué, ça. Attention, parce que Vojila, toujours au pressing. Hein, toujours au pressing, Vojila, il faut s'en méfier, hein, comme l'eau sur le feu. Rampant Julie fait du bon boulot là derrière, hein, en charnière centrale. Elle reste vigilante. C'est elle qui colmate les brèches. Mais il va falloir colmater au moins jusqu'à la 90e, 92e, 93e minute. Attention, parce que là, il y a peut-être un boulevard pour Sassetti. Oh, elle a frappé directement, il y a peut-être mieux à faire, c'est dommage. Un peu gourmande. Ouais, c'était tentant, on va dire. C'était tentant. Et bien, ça va offrir une bonne relance, en tout cas, du côté de Algrange. Et à son habitude, eh bien, ce n'est pas la gardienne, Burtin, qui va s'en charger, mais la défenseuse Rampant. Julie Rampant. L'arbitre prend du plaisir, hein, parce que ça fait presque 2 minutes d'arrêt de jeu. Exactement. Il n'y a pas eu grand-chose quand même comme arrêt. Hein. Non, mais Frédéric Neuch est bien sur cette, sur cette pelouse. Et nous aussi, d'ailleurs, même si on est un petit peu plus en hauteur. Vous savez qu'en plus, le synthétique, là, ça garde énormément la chaleur. Hein. Et ça la renvoie dans les jambes des joueuses. Et je peux vous dire que ça doit coûter cher à arroser, parce qu'on a vu que l'hydratation du terrain a duré près de 2 heures. Sans doute pour que ça fuse un peu plus. J'ai l'impression que l'arbitre a chanté 5 minutes là. Ouais, il y a eu parce que là, elle en est à 3 minutes d'arrêt de jeu. Petit souci de chronomètre du côté de Frédéric Neuch. Écoutez, peut-être qu'elle n'a pas envie de faire de pause. Ou peut-être qu'elle a compté justement la pause boisson tout à l'heure. Ah voilà, c'est ça. Voilà. La pause boisson autant tout à l'heure. Autant pour moi. Il n'y a pas de souci, mon cher Gabi. Vous avez bien fait de le faire remarquer. Oui, j'ai pas stoppé mon chrono au moment de cette pause. Et nous non plus d'ailleurs. Ce pourquoi eh bien, l'arrêt de jeu commence à être conséquent. Pour une première mi-temps en tout cas, on est presque à 3 minutes. Allez, peut-être une dernière joute. Pour Algrange, c'était bien contré. Est-ce que Madame Neuch va donner le dernier corner? Oui, on va le jouer, ce dernier corner de cette première période. Et si la décision se faisait sur un coup de pied arrêté, hein? Oh, ça serait terrible en tout cas juste avant la pause. Alors que Nancy hein, n'a pas démérité, hein, on peut le dire. Bon, charnière centrale, il y a quand même de la taille à Nancy. Hein. Ouais, mais on a vu que côté Algrangeois, c'est plutôt des petits gabarits. Hein. On a vu Martins qui s'était montré dangereuse hein, sur le premier corner, justement. Alors là, ce coup-ci, c'est la première fois qu'on le tire côté droit dans cette partie du terrain. Et c'est justement Delisle, la préposée, bien sûr, au coup de pied arrêté, qui va s'en occuper. Pied droit. Oh, ça sera directement au deuxième poteau. Attention, Vojila qui traîne encore à la sortie de cette surface. Bien joué, ça. Oh, c'est bien joué. Et elle va frapper directement au but pour apporter le danger. Là aussi, un peu gourmande. Ouais. Hein. Et voilà, c'est la mi-temps ici au stade Marcel Picot. 0-0 entre Algrange et l'AS Nancy Lorraine. Voilà, on va débriefer ensemble cette première période, mon cher Gabi. Et faire un petit tour d'horizon justement sur cette première période et voir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Déjà il fait chaud, les conditions n'ont pas beaucoup évolué, hein. La chaleur est toujours la même, pas un petit peu plus d'air en plus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première période? On l'a dit, belle entame de Nancy et Algrange qui est bien revenu également dans cette partie. Je dirais que une technicité supérieure du côté nancéen, hein, et on comprend à peu près le schéma algrangeois. On laisse venir et puis avec le trio hyper efficace qui a fait ses preuves durant toute la saison, on espère faire la différence. Algrange a repris un tout petit peu les choses en main à la demi-heure, mais finalement la fin de mi-temps était plutôt est revenue encore une fois, la possession était plutôt nancéenne.
Il y a eu quand même deux occasions franches du côté nancéen. Et sur une glissade d'une défenseuse centrale, il y a eu une belle occasion pour Vojdila. Malheureusement, on n'a pas su la transformer. Je dirais qu'il y a un léger avantage au point pour les Nancéennes. Mais rien n'est joué, c'est le moins qu'on puisse dire. Rien n'est joué et on sent quand même, Gabi, que Algrange, techniquement en tout cas, peut faire la différence. On l'a dit avec les trois devants, ça peut aller très vite. Et au fur et à mesure que le match va avancer, ça risque d'être compliqué justement de les tenir, ces trois devants, hein, du côté de Nancy. Il n'y a pas eu vraiment d'alerte, parce que on peut pas dire qu'elles aient mis hors de position l'organisation défensive nancéenne. Mais il y a un vécu durant cette saison qui peut faire craindre le pire pour les Nancéennes, ça c'est vrai. 0-0, c'était le score également à la mi-temps l'an dernier entre Algrange et Nancy. Ça s'est terminé au tir au but. Alors ce que je vous propose, c'est que vous restez chez vous, vous ouvrez le paquet de chips, vous laissez couler la boisson. Laissez tomber les chips. Au choix, comme vous voulez. Bonbons, salés, sucrés, ce que vous voulez. Vous restez dans le canapé. Surtout en tout cas. Un verre d'eau. Et, voilà, un petit peu d'alcool, vous pouvez vous permettre également. Nous on revient dans à peu près 5 à 10 minutes pour vous faire vivre en tout cas la suite de cette première finale. Et n'oubliez pas, à 17h30, il y a les hommes. On est ensemble pour toute l'après-midi. À tout de suite.